Ils sont de la race des seigneurs, des vainqueurs, des champions hors du commun. Et s'ils sont à Séville, c'est pour régner sans partage sur le monde de l'athlétisme. Un doigt s'est levé et le temps s'est arrêté. La fin est proche. C'est la dernière chose que je devais faire. Vous savez, maintenant, je peux partir. La tête droite, le torse bombé, les bras très hauts, Michael Johnson est seul au monde. L'homme aux chaussures noires et or balaye en une soirée d'été les 11 années de règne d'Harry Butch Reynolds pour s'offrir, en 43 secondes et 18 centièmes, un incroyable record. Record du monde du 400 mètres, battu de 11 centièmes, Michael Johnson, la comète, n'a pas dit son dernier mot. Il envisage d'autres passages dans le ciel de Sydney pour ses derniers JO. Un regard de tueur, il roule des épaules, joue avec sa langue. Maurice Greene est l'homme le plus rapide du monde, un vrai caïd du sprint. Oh, le premier départ a été très propre avec un super départ de Maurice Greene. Les brunis sur un et bien, alors que couleur numéro 3, Tim Harden, était pas mal. Maurice Greene tenu par Sura, mais Maurice Greene va passer quand même. Oh, quelle course de Bruni Sura! Et 9,81 pour Maurice Greene, qui a été tenu en échec pratiquement. Extraordinaire course. Vous savez, je suis là pour m'amuser et faire de mon mieux. Bruni Sirin, lui, n'est pas venu pour jouer. À 32 ans, sa performance est étonnante. Le Canadien, champion du monde sur 60 mètres, frôle l'exploit à 3 centièmes près. Longtemps, Sirin tient tête à Greene, mais dans les 20 derniers mètres, se contracte et laisse échapper le titre. Maurice Greene remporte l'épreuve reine. Son double objectif est atteint. C'est gérer la vitesse intelligemment. Et moi, je dirais, pour résumer, régner sur le monde. Et ce règne ne fait que commencer. Greene devient le premier sprinteur à réussir le doublé 100 mètres, 200 mètres dans un championnat du monde. Son succès, c'est aussi celui d'un entraîneur, John Smith. Grâce à lui, Inger Miller est médaille d'or sur 200 mètres en 21,77. Meilleur chrono de la saison. Marion Jones, la belle américaine, reine du 100 mètres. CJ Hunter, son mari, 135 kilos, un monstre du poids. Ah ah 21 mètres 79, Monsieur Jones est champion du monde. Des médailles d'or, Madame en veut 4. Et ça commence avec le 100 mètres. Une première couronne enlevée sans aucun problème. Marion Jones dépose ses adversaires. Christine Aron est loin, très loin. Elle termine sixième seulement. Victoire de l'américaine en 10 secondes et 70 centièmes. Elle franchit sans écueil la première étape de son incroyable pari. Tu baignes dans ce halo. Tu m'aimes, est-ce que je t'aime ? Allez, viens, on va faire un enfant. Faites pas trop d'enfants, hein. C'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Dieu, Marion Jones l'a prié, supplié de gagner le concours du saut en longueur. Avec 6,83 m, elle n'est que médaille de bronze. Marion retourne en piste pour le 200 mètres, mais une crampe dans le bas du dos la fauche en pleine course. Ce corps si puissant a dit stop. Stop aux cadences infernales et à cette course à la performance. La descente aux enfers est parfois plus vicieuse, plus diabolique encore. La Marocaine Nezabi Douane est au paradis, elle croit avoir gagné le 400 mètres haies. Mais les juges donnent la victoire à sa rivale, la Cubaine Daimi Pernia, pour un centième de seconde. Une petite faute sur la dernière haie et Stéphane Diagana n'est plus en or, mais en argent. Déception, oui.
saison sauvée, encore 8. Le ciel leur est tombé sur la tête. 3 échecs à 5,70 m et à 5,50 m, Jean Galfion, champion olympique, et Romain Ménil quittent le concours de la perche sans passer la moindre barre. La rage et le cauchemar de Sébastien Levic. Quatrième du décathlon, il rate la médaille de bronze pour 23 points. Dramatique. Un phénomène électrique, une énergie surnaturelle, c'est la naissance d'une toute nouvelle étoile. Eunice Barber décroche l'or dans l'heptathlon. Au fait, les filles, c'est quoi l'heptathlon ? Première journée. 100 mètres. Oh là 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 là. Ah oui, on saute, on saute. Après, autant. Et pour monter là-haut, là-haut, là-haut. Et notre épreuve de prédilection. Ah, ah, pas l'oublier. Ah, il faut pas oublier ça. Là, pas oublier. Très, très fort. Championne du monde. Oh, le lancer du poids. Aïe, 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 aïe. Là, excellent. Ouais. On ne craint de rien, en tout cas. On a la force et on utilise. Et le 200 mètres. Ah, ça, c'est excellent parce qu'il n'y a pas d'obstacle pour moi. Le 800 mètres, la dernière épreuve, le moment de vérité. Eunice Barber est en tête du concours. 120 points la séparent de la deuxième, Denise Lewis. La médaille d'or est proche, mais il y a la fatigue et cette chaleur incroyable. Il est 22h et il fait encore 29 degrés. Eunice contrôle sa course et remporte sa série. Elle est championne du monde de l'heptathlon avec un total de 6861 points. Nouveau record de France. Née en Afrique, en Sierra Leone, elle gagne quelques courses comme ici en maillot jaune. Mais la guerre civile l'a fait fuir depuis 6 mois. Eunice est française. Un nouveau pays, un nouveau drapeau, et voilà qu'à 24 ans, elle devient la troisième championne du monde française. Hicham El Guirouj, le roi du 1500 mètres, vous salue bien. Haïlé Gebrselassie, l'empereur du 10 000. Le petit Éthiopien, 1m64, remporte son quatrième titre mondial consécutif. Hicham puise sa force dans ce drapeau, celui du Maroc. Il boucle son 1500 mètres en 3,27,65, cinquième performance mondiale de tous les temps. Pour moi, c'est la course du 20e siècle. Franchir la rivière, plus qu'une course, une tradition au Kenya. Christopher Koskei s'impose dans le 3000 mètres steeple devant Wilson Boyd Kipketer. Après son tour d'honneur, Koskei déclare « J'avais envie d'être le dernier champion de ce millénaire, car qui sait ce qui arrivera dans le prochain ?»